dénoncer malgré les différentes alertes qui avaient été données aux services sociaux. Marina aimait ses parents jusqu'à la mort. Voici notre enquête pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, c'est toute une commune du nord-ouest de la France qui pleure la disparition tragique d'une petite fille, âgée d'à peine 8 ans. Le corps de Marina est dans une malle, une sorte de caisse de déménagement, sous du béton. Donc les gendarmes doivent d'abord découper le béton et découvriront le corps, mais enroulé dans plusieurs sacs et un drap. Nous sommes dans le département de la Sarthe, à quelques centaines de kilomètres des côtes bretonnes. Mercredi 9 septembre 2009, il est un peu plus de 21h30 lorsqu'Éric Sabatier se rend sur le parking d'un fast-food en périphérie de la ville du Mans. À l'arrière du véhicule, Marina, sa fille de 8 ans, s'est endormie. Le père de famille entre dans le restaurant avec son fils de 10 ans et laisse son enfant dormir dans la voiture. Il commande ses menus pour tout le monde avec son fils et il laisse sa petite fille Marina dans la voiture. Il passe ses commandes, il récupère ses menus, il arrive à la voiture, il ouvre la porte et là il se rend compte que Marina a disparu. Affolé, Éric Sabatier cherche désespérément sa fille dans les moindres recoins du parking. En vain, Marina est introuvable. Il va chercher de l'aide, donc il rentre dans le fast-food, il rencontre les employés, il leur demande de l'aider, tout simplement, ne sachant pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle a été enlevée? Il s'imagine le pire, évidemment. Il fait nuit noire. Et le fast-food se situe à quelques mètres seulement de l'une des principales autoroutes de la région. Éric Sabatier, paniqué, alerte alors la gendarmerie. Et là, il expose que c'est absolument terrible, qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut retrouver l'enfant qui a certainement été kidnappé. Il y a du danger, il y a de la circulation, il y a énormément de monde. C'est la plus grosse zone commerciale du département. Beaucoup de passages, beaucoup de monde. Le danger de la circulation et la possibilité de rencontrer une mauvaise personne, une mauvaise fréquentation, qui trouve Marina et qui l'enlève. Très vite, les gendarmes se mobilisent pour retrouver Marina. La fillette a très bien pu avoir un accident dans cette vaste zone industrielle, ou pire, avoir été victime d'un enlèvement. Dans ces affaires de disparition d'enfants, les premières heures sont tout à fait décisives. Plus le temps passe, plus il y a une mise en danger de la vie de cet enfant. Donc c'est immédiatement, effectivement, que l'ensemble des moyens sont déployés. Le soir même, un avis de recherche est lancé dans toute la région pour retrouver Marina. La situation est d'autant plus préoccupante que, selon son père, la petite souffrirait d'une déficience mentale. Il apparaît assez rapidement que Marina aurait une déficience, genre trisomie. Et il est vrai que la photo fournie par les parents pouvait le faire croire. Un handicap qui ferait de cet enfant une proie d'autant plus facile. Le temps est donc compté pour les enquêteurs. Tout le monde est inquiet, tout le monde se demande ce qui a bien pu se passer, c'est évident. Est-ce que c'est une petite fille qui a pu prendre peur, se réveiller dans cette voiture, s'inquiéter de voir son père et son frère absents et sortir peut-être pour aller à leur recherche à côté du McDo et se perdre tout simplement. Est-ce que c'est une petite fille qui a été enlevée elle-même? Les enquêteurs n'écartent aucune piste. Cela fait maintenant 5 heures que la fillette a disparu. Une situation extrêmement préoccupante. À 2 heures du matin, les gendarmes sont contraints d'arrêter leur recherche pour la nuit. Alors, où est Marina? Que s'est-il passé sur ce parking? Existe-t-il des témoins?
Au petit matin, sur la zone industrielle de Saint-Saturnin, pompiers et gendarmes sont de nouveau sur le pied de guerre. Une opération d'ampleur est lancée pour retrouver la petite Marina, disparue depuis près de 12 heures. Le lendemain, 150 gendarmes sont sur le site. Ils quadrillent complètement cette zone de manière très très méthodique en allant du point de départ, comme s'ils faisaient un escargot, vous voyez. Ils tournent autour du point de disparition. Ils se répartissent les magasins, ils se répartissent les artères routières, ils se répartissent les habitations qui sont à côté de cette zone. Un hélicoptère est présent qui tourne lui aussi avec une caméra infrarouge pour repérer la petite Marina. Le moindre endroit où une petite fille de 8 ans peut se cacher ou être dissimulée est fouillé par ces 150 gendarmes. Dans la zone industrielle où l'enfant est recherché, commerçants et clients aident les gendarmes à explorer les lieux. La disparition de Marina ne tarde pas à bouleverser la région. Les affiches sont posées un peu partout dans les magasins. Des directeurs de magasins, des responsables affichent eux-mêmes le portrait de Marina pour que si un client l'a vue, on puisse la retrouver. Ça m'avait froid dans le dos, quoi. Je pense comme tout le monde. Je me dis, j'espère que les gendarmes vont la retrouver plus vite, quoi. C'est le moindre des choses que je peux faire. C'est le minimum pour aider les gendarmes, quoi. Pour enrichir leurs recherches, les gendarmes visionnent les caméras de vidéosurveillance du restaurant. Et là, ils vont faire une étrange découverte. Rapidement, des doutes surgissent, puisque la voiture est égarée à l'opposé de l'entrée du fast-food. Évidemment, comme tout fast-food, il y avait un service drive. Mais non, le père a préféré mettre sa voiture très loin et aller chercher la commande dans le restaurant, en laissant sa fille toute seule dans la voiture. Le chien aussi, par exemple, ne sent pas la trace de Marina. Et c'est comme ça beaucoup d'éléments qui, mis bout à bout, sèment le doute. La version d'Éric Sabatier commence à poser question. Et le comportement du grand frère de Marina, présent lors de la disparition, ne va pas aider le père de famille. Le jeune garçon de 10 ans intrigue particulièrement les enquêteurs. L'attitude de cet enfant qui est relativement décontracté au regard de la situation. Il interroge un petit peu le personnel, surtout et rien. Il s'amuse de l'hélicoptère, des camions de gendarmes qui sont là. Et on s'aperçoit donc qu'il y a un décalage entre le drame absolu qui est un enlèvement d'enfant et puis la tenue notamment de ce fils qui ne semble pas particulièrement ému. Alors, très vite, les soupçons se portent sur les parents de Marina. La version d'Éric Sabatier ne tient pas la route pour les enquêteurs. Le soir même, les gendarmes perquisitionnent le domicile de la famille, ainsi que leur ancienne maison qu'ils viennent juste de quitter, à Écommois. Une visite qui va s'avérer payante. Ils inspectent toute la maison, et c'est là que le père va finir par craquer, puisqu'un gendarme lui montre une trace rouge sur la porte de la cave. Et là, le père dit « Vous ne la trouverez pas là ». Et sous la pression des enquêteurs, Éric Sabatier craque. Marina n'a pas disparu, elle est en réalité morte depuis plus d'un mois. Le père explique que sa fille serait morte il y a plusieurs semaines d'un accident et emmène les gendarmes là où le corps de Marina est entreposé, dans un local de déménagement. Des aveux glaçants. Éric Sabatier conduit alors les enquêteurs en périphérie du Mans, dans un entrepôt où il a déposé le corps de sa fille. Là, dans ce parking souterrain, les gendarmes découvrent l'impensable. Le corps de Marina est dans une malle, une sorte de caisse de déménagement, sous du béton. Donc les gendarmes doivent d'abord découper le béton et découvriront le corps, mais... enroulé dans plusieurs sacs et un drap. De toute évidence, le corps de la fillette repose à l'intérieur de cette dalle de béton depuis quelque temps. Dès lors, une question traverse l'esprit des enquêteurs. Pourquoi avoir caché le corps de Marina si elle est morte de manière naturelle?
on partait sur une disparition avec diffusion de portraits, grand moyen de gendarmes pour retrouver la petite Marina qui avait disparu, et on se retrouve là avec une enfant qui est morte et dont les circonstances de la mort sont extrêmement floues. D'après le père, les premières choses qu'on a, c'est une mort naturelle. Il aurait paniqué. La nouvelle version des parents ne convainc pas les enquêteurs. Pourquoi ont-ils manipulé les gendarmes et inventé cette disparition machiavélique? Comment Marina est-elle morte? Et pourquoi les parents n'ont-ils rien dit pendant plus d'un mois? Les gendarmes en charge de cette affaire vont très vite découvrir que la famille Sabatier aurait fait l'objet de plusieurs suivis des services sociaux. Et si cette petite fille n'était pas morte accidentellement, comme le prétend son père? Les enquêteurs vont alors s'intéresser au profil de cette famille. Éric et Virginie Sabatier vivent avec leurs quatre enfants. Marina est la première fille du couple, chacun ayant déjà eu un enfant d'une première union. Cette famille recomposée déménage souvent, et dans la région, personne ne les connaît vraiment. En fait, c'est une famille qui vit centrée sur elle-même. Virginie Darras, Éric Sabatier ont rompu avec leur propre famille respective pour vivre entre eux. Ils n'avaient pas d'amis. Et dès qu'un voisin s'intéressait à eux, ils déménageaient. Les rares voisins qui ont rencontré la famille n'ont aucun souvenir de la petite fille. Marina sort peu et n'est visiblement jamais avec ses frères et ses sœurs. J'ai vu trois enfants, donc un petit garçon de 7 ou 8 ans qui faisait du vélo, deux autres petits, 5 ans ou 4 ans, quelque chose, et puis une autre plus petite, mais je ne me rappelle pas l'avoir vue. À l'âge de 6 ans, Marina est scolarisée pour la première fois. Et ce que découvrent les enquêteurs, c'est que contrairement aux déclarations de son père, Éric Sabatier, la fillette n'était en aucun cas déficiente mentale. Bien au contraire. À l'école, elle était très bien perçue. C'était une petite fille qui adorait travailler, qui malheureusement n'avait pas beaucoup de contact avec les enfants. Elle se tenait toujours à l'écart. Marina, c'est une petite fille qui est adorable. Elle est décrite par les enseignants comme quelqu'un, une petite fille très gaie, bavarde, très douce. Ils ont tous une tendresse d'ailleurs vis-à-vis de cet enfant. En juin 2008, la famille Sabatier déménage de nouveau et s'installe à Saint-Denis-d'Orc, un petit village situé à 45 km du Mans. Marina a 6 ans et demi, et dès son entrée dans cette nouvelle école, les instituteurs se posent des questions. Ce qui marque les enseignants, c'est les traces de coups que porte le visage de Marina. Beaucoup de jours d'absence non justifiés. Tous les enfants peuvent avoir des blessures, tous les enfants peuvent avoir des hématomes. Sauf que les hématomes d'un enfant normal, qui n'est pas battu, c'est aux genoux, c'est aux articulations, c'est là où il tombe normalement. Elle, c'est à d'autres endroits que ça se passe, c'est sur les avant-bras, c'est beaucoup moins naturel. Et c'est ce qui met la puce à l'oreille aux instituteurs. Dès lors, les instituteurs sont convaincus que Marina est maltraitée. Ils interrogent les parents sur les nombreuses blessures de l'enfant. Mais face au corps enseignant, Virginie et Éric Sabatier ont tout des parents modèles. Monsieur Éric Sabatier était quelqu'un qui communiquait très bien, qui avait un espèce d'aura et qui savait très bien parler de sa fille. Les parents vont évoquer des décès dans la famille, des chutes, une conjonctivite. Ils inventent plein d'excuses. Mais les doutes des instituteurs persistent. Un mois après l'arrivée de Marina dans l'école, la directrice décide d'avertir le procureur. Le parquet prend les choses en main et une enquête sociale est lancée. Un médecin est chargé de vérifier l'état de santé de l'enfant afin de déterminer si elle est victime de maltraitance.
Marina est auscultée par un médecin légiste, qui constate sur son corps 19 lésions. 19 lésions qui à l'époque paraissent suspectes. Le 23 juillet 2008, les gendarmes décident d'auditionner l'enfant, seul. Durant les 45 minutes d'entretien, la petite Marina se montre particulièrement souriante et aimante à l'égard de ses parents. Elle s'invente une vie. En fait, elle s'invente une vie heureuse au milieu de cette famille. Papa, il est très gentil, il m'a offert un très beau cartable. Je vais pouvoir retourner à l'école. Maman, elle m'achète toujours des très beaux habits. Tout ça, c'était complètement fou. C'est vrai qu'on peut détecter dans sa gestuelle, dans sa mimique, qu'il y a un malaise et qu'en fait, elle n'est pas dans la réalité. En réalité, Marina protège ses parents. Pour justifier ses nombreux hématomes, elle explique qu'elle tombe souvent. Et à l'époque, soit un an avant sa mort, le visage de Marina n'est pas encore modifié par les coups. Le physique de Marina ne correspond pas au portrait qui avait été diffusé lors de sa supposée disparition. Son corps s'est modifié. D'abord, elle était amaigrie parce qu'on ne l'alimentait pas. Mais elle représentait tous les stigmates de l'enfant qui était battu. Les gendarmes ne vont pas plus loin. L'enquête sociale ne révèle rien d'alarmant. Alors, en octobre 2008, le procureur classe l'affaire, sans suite. Les sabatiers sont blanchis. Mais alors, que s'est-il passé pour que Marina perde la vie ? Que cachent les parents de la fillette ? À ce stade de l'enquête, les gendarmes commencent à cerner les sabatiers, un couple machiavélique qui avait mis en place une véritable stratégie pour semer les services sociaux. Dès que quelqu'un émet un doute, on fait la valise rapidement dans une nuit et puis on déménage à 45 minutes dans une autre localité sartoise en essayant de se faire oublier pour éviter d'être poursuivi, éviter les soupçons. Ce petit jeu dure depuis 2001, l'année de naissance de Marina. Une enfant non désirée par le couple qui va devenir le souffre-douleur d'un homme et d'une femme qui, dès leur mariage, n'arrivaient plus à vivre ensemble. À ce moment-là, effectivement, on décrit la grossesse de Virginie Dallas comme un moment particulier où elle ne veut plus de cet enfant, alors même qu'elle est enceinte. En février 2001, Virginie Darras accouche sous X. Elle abandonne le bébé et fait croire à tous que Marina est morte. Mais au bout d'un mois, sous la pression familiale, la jeune mère part rechercher l'enfant et reprend sa relation avec Éric Sabatier. Virginie Darras n'aime pas cet enfant. C'est ainsi. Éric Sabatier est soumis à son épouse. Il est soumis affectivement. Il accepte l'inacceptable. La petite Marina est la seule parmi ses trois frères et sœurs à subir ce traitement. Un traitement bien orchestré qui dure depuis 6 années. Un traitement fait de mensonges et de déménagements. Marina rentre au CP à Coulon-sur-Gé, encore une nouvelle école. Mais cette fois-ci, au-delà des bleus apparents, les enseignants remarquent que la petite fille a un rapport très bizarre avec la nourriture. Et à plusieurs reprises, ils l'ont retrouvée en train de fouiller dans le frigo pour voler de la nourriture. Et elle volait aussi le goûter de ses petits copains, car rarement, très rarement, voire jamais, elle n'avait de goûter. Une enfant seule et affamée, qui manque souvent l'école. 33 absences en 8 mois. Et sa santé se dégrade de plus en plus, jusqu'à ce fameux jour du 27 avril 2009. Marina arrive à l'école, grièvement blessée. Ses pieds sont mutilés. Marina avait les pieds dans un tel état qu'elle ne pouvait plus les mettre par terre. Donc là, grosse inquiétude de la part des instituts. Puis rapidement, Marina est hospitalisée. Marina va rester hospitalisée un mois.
l'hôpital et l'éducation nationale signalent une nouvelle fois au Conseil général des doutes sur la maltraitance. En vain. La fillette retourne dans sa famille. Instituteurs, voisins, médecins, tous ont tenté d'alerter les autorités. Mais alors, la mort de Marina aurait-elle pu être évitée ? Placé en garde à vue, le couple Sabatier doit s'expliquer sur les mauvais traitements infligés à leur enfant. Pour les enquêteurs, la thèse de la mort accidentelle ne tient plus la route. Sous la pression, les parents craquent et livrent le récit de la dernière nuit de Marina. C'est à Écomoy que la fillette va vivre ses derniers jours. Cette nuit du 6 août 2009, Virginie et Eric vont aller jusqu'au bout de l'horreur. Lorsque Eric Sabatier arrive le soir, donc c'est après une journée de travail, il arrive dans un contexte extrêmement tendu, difficile, où Virginie Daras est très remontée à l'encontre de Marina, qui est assise, dénudée, dans sa chambre. Et là, effectivement, ça va être de la violence pendant un temps couvrant une bonne partie de la soirée. C'est des douches froides, des gifles, sa tête qui heurte la baignoire au point de fissurer cette baignoire. Sa tête a violemment heurté la baignoire. Elle est au bord du coma. Pourtant, Virginie et Eric Sabatier ne s'en préoccupent pas et la laissent, à demi inconsciente, dans un bain glacé. Elle a été descendue vers 1h du matin, nue, trempée dans la cave et couchée à même le sol. Dans cette cave, les sévices reprennent à nouveau. Et ce n'est que vers 2h du matin qu'Eric et Virginie se décident à la laisser, grelottante, à même le sol. Marina s'adressera pourtant une dernière fois à ses parents. Et les derniers mots de Marina seront pour ses parents. Au revoir papa, au revoir maman. Il est 8h du matin lorsque Virginie, la maman de Marina, descend voir sa fille. Cette fois, les coups ont été trop forts. La fillette est morte dans la nuit. Première idée, ça va être de camoufler le corps pour prendre le temps, d'ailleurs, de réfléchir, savoir ce qu'ils vont faire. Et la stratégie, ça a été de la mettre dans le congélateur. Marina restera un mois dans le congélateur familial avant d'être retrouvée par les enquêteurs dans une malle recouverte de béton. Les causes du décès ont été très compliquées à établir étant donné l'état de conservation du corps de Marina. Un expert s'est néanmoins prononcé, Marina serait donc morte d'un hématome sous-dural consécutif à un violent choc à la tête. Et Marina est également en hypothermie. Pendant des années, la petite fille a vécu les pires supplices. Le procès à venir devra lever de nombreuses zones d'ombre entourant sa fin tragique. À commencer par déterminer qui d'Éric ou de Virginie a porté le coup fatal. En juin 2012, soit 3 ans après les faits, s'ouvre le procès très attendu des parents de Marina. Virginie Daras et Éric Sabatier comparaissent devant la cour d'assises de la Sarthe pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Le couple encourt la réclusion à perpétuité. C'était un procès qui était exceptionnel d'abord par sa durée, exceptionnel par la gravité de ce qui s'était passé à l'encontre de Marina. Et puis à la mort de cet enfant, avec le stratagème de l'enlèvement. Donc tout cela, effectivement, aboutit à une situation exceptionnelle à juger. Dans la salle d'audience, tous ont les yeux braqués vers le box des accusés. Tous veulent comprendre qui sont les auteurs de cet infanticide sordide. Virginie Daras pleure. Elle a pleuré pendant les 11 jours de procès, elle a pleuré.
Elle s'est excusée, elle a demandé pardon à Marina, à ses enfants, elle a pleuré. Et le père s'est montré plus dans une volonté de tout dire. Mais a-t-il tout dit? Personne n'en sait rien. L'un des enjeux principaux de ce procès est de déterminer qui, d'Éric ou de Virginie, est à l'origine des sévices infligés à la fillette. Pour les experts, appelés à la barre, ce serait Virginie qui imaginait les pires punitions et le soir, Éric qui s'exécutait. Il serait en quelque sorte le bras armé de sa femme. La maman de Marina vivait avec elle la journée, elle la respectait. Marina avait un comportement forcément un peu atypique du fait qu'elle soit privée de nourriture, c'était une enfant qui avait peur tout le temps. Et quand le père rentrait le soir, il avait le résumé des bêtises que Marina avait fait dans la journée et du coup le père tapait. L'un sans l'autre n'aurait pas forcément été jusque-là. C'est l'un avec l'autre qui crée cette alchimie mauvaise, néfaste, morbide qui arrive à la mort de Marina. Je suis convaincu que si le couple s'était séparé, comme c'était prévu d'ailleurs au début d'année 2009, Marina serait en vie aujourd'hui. Après 11 jours de débat, la cour d'assises tranche. Les jurés condamnent Virginie Darras et Éric Sabatier à 30 ans de réclusion criminelle et 20 ans de peine de sûreté. Les enfants du couple sont immédiatement placés dans une famille d'accueil. Dans le nord-ouest de la France, personne n'oubliera la mort de cette petite fille. Une mort qui aurait pu être évitée. En 2 ans, Marina avait fait l'objet de 2 signalements auprès des services sociaux et malgré toutes ces alertes, personne n'a pu la sauver. Ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. On avait repéré la maltraitance, on l'avait établie de manière médicale, à l'évidence, on devait aller au-delà. Et les services de l'enfance devaient signaler à l'autorité judiciaire ce qui se passait au sein de cette famille. Il y a eu une enquête de gendarmerie, il y a eu une enquête de l'assistante sociale, il y a eu un séjour à l'hôpital, il y a eu des médecins scolaires. L'histoire de Marina est une succession de sauvetages manqués. L'histoire de Marina, c'est l'histoire d'un fléau qui touche des centaines d'êtres innocents par an. En France, c'est un enfant qui meurt chaque jour sous les coups de ses parents. Merci d'avoir suivi ce numéro de Crime qui était installé dans le Grand Ouest ce soir. Restez avec nous sur NRJ12. Tout de suite, un nouveau numéro de Crime.